Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 22 décembre 2018 et diffusée pour la première fois dimanche 6 janvier 2018 de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. À tous les auditeurs présents et à venir, salut. Au micro, Philippe Delorme. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à ce libre journal de Lumière de l'Espérance, comme toutes les 4 semaines, pour une promenade dans l'histoire et la spiritualité au fil des siècles et des civilisations. À ceux d'entre vous qui m'écoutent, le dimanche, je ne peux souhaiter qu'une excellente fin d'année. Quant aux autres qui reprendront l'émission, je formule tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite pour 2019. Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire ici, à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e, ou par le biais de mon site personnel, philippedelorme.com. واسم ديوغ الفخار ما فيش في ضيطر جدي ترقيف اسم النيل رسم الطبرات مسلامة واسمي روح تتوالي تظيل النار هالضربة صغف ثروات ما فيش في ضيطني Migrab Nadal Nous venons d'entendre une chanson en berbère du chanteur kabyle Idir, intitulée Andayela, la longue attente, qui exprime la nostalgie d'une femme restée au pays avec ses enfants et qui, dans ses montagnes, désespère de revoir son mari parti travailler en France, à Paris. C'est une chanson de 2005. Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, né en 1949 à Itlaissen, à 35 km de Tizi Ouzou, capitale de la Grande Kabylie, est un des
des chanteurs berbères kabyles les plus connus actuellement en Algérie et qui d'ailleurs vit en France. Si j'ai choisi cette belle chanson, c'est parce que nous allons évoquer aujourd'hui la figure héroïque des moines de Tibirine, assassinés en 1996 et récemment béatifiés avec d'autres chrétiens d'Algérie, victimes innocentes de la barbarie des extrémistes islamistes. À partir de ces martyrs, nous évoquerons également la situation des chrétiens en Algérie, mais aussi l'avenir des relations entre chrétiens et plus largement français de culture chrétienne et musulmans ici en France. Il est certain que la plupart des jeunes issus de l'immigration, nés en France, ont vocation à y rester, même si l'on peut souhaiter un arrêt des flux migratoires et même leur renversement dans une certaine mesure. En partant de ce constat pragmatique, la question se pose de leur acculturation. Celle-ci peut prendre plusieurs formes. Premièrement, la dilution dans un grand magma mondialiste et matérialiste où la consommation remplace la foi sans véritable référence spirituelle. Une sorte d'américanisation dans le grand village Coca-Cola, comme on le disait autrefois. Ce n'est sans doute pas la plus désirable, même si elle semble la plus probable à long terme. Deuxièmement, la conversion massive au christianisme, il faudrait alors que les chrétiens de France aient assez d'ardeur pour soutenir un tel effort d'évangélisation qu'ils n'ont pas su mener à bien jadis en Algérie. Troisièmement, troisième solution, le développement d'un islam moderne et tolérant, rejetant les excès de l'intégrisme wahhabite et réalisant la séparation entre la religion et l'État, comme l'Église catholique a su le faire depuis plus d'un siècle. Pour traiter ces vastes sujets, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. La première est Mireille Duteil, journaliste, spécialiste du monde arabe et de l'Afrique. Elle a été grand reporter et rédactrice en chef adjointe au service de politique étrangère de l'hebdomadaire Le Point. On lui doit déjà plusieurs ouvrages sur le Maghreb et elle vient de publier aux éditions Salvator « Les martyrs de Tibérine, l'histoire d'un drame politico-religieux » où elle fait le point sur les éléments les plus récents de l'enquête. Mon deuxième invité est Karim Ouchik. D'origine kabyle, il a grandi en banlieue parisienne, dans une famille installée en France dans les années 60. Après des études de droit, il devient avocat et même parallèlement une carrière politique. D'abord au sein du Parti Socialiste, aux côtés de Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse. Puis en 2008, il rejoint le Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France. Et depuis 2014, il est président du Ciel. Alors, le Ciel, c'est... Ça signifie Parti Souveraineté, Identité et Liberté. Ce n'est pas le ciel qui est au-dessus de notre tête, fondé par Paul-Marie Couteau. Donc il en est président depuis 2014. Et il est aujourd'hui conseiller régional d'Île-de-France, élu sur la liste du Front National Rassemblement Bleu Marine. Je ne sais pas si c'était déjà le Rassemblement Bleu Marine, mais enfin peu importe. Mais ce n'est pas directement pour son engagement politique que j'ai invité Karim Ouchik aujourd'hui, mais surtout pour son cheminement religieux, puisqu'il, issu d'une famille musulmane peu pratiquante, il s'est converti au catholicisme à la fin des années 90. Alors nous allons peut-être commencer tout de suite à parler de ce livre. Enfin d'abord... se demander, Mireille Duteil, pourquoi vous avez publié aujourd'hui ce livre sur les martyrs de Tibérine. Qu'est-ce que... Rappelons d'abord l'histoire, hein, donc des moines, sept moines qui ont été enlevés dans une nuit de mars 1996, alors que l'Algérie était en proie à une guerre civile extrêmement sanglante, puisque plusieurs dizaines de milliers de morts ont existé, mais surtout des musulmans d'ailleurs, hein, mais en l'occurrence là on a affaire à des moines catholiques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau sur cette affaire dans ce livre? Vous reprenez l'enquête et expliquez-nous un petit peu, voilà, quels sont les éléments nouveaux sur l'identité des coupables, en quelque sorte, de cette tragédie. Bonjour, tout d'abord. En fait, c'est une histoire qui est une histoire terrible, hein, qui remonte donc à 1996. Ce que l'on peut dire, c'est que 22 ans après cette histoire, il y a encore des tas de zones d'ombre. Hein. Il y a des vraiment... On ne sait pas tout, je ne sais pas. Je pense que ça fait partie des grandes affaires qui arrivent dans tous les pays, et longtemps après, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, et en particulier qui a tué ou qui a donné l'ordre de tuer. Alors pour rappeler un peu, vous souvenez que l'Algérie dans les années 90, c'était en proie, comme vous l'avez dit, à une terrible guerre civile. Elle a fait beaucoup plus que des dizaines de milliers de morts, beaucoup plus. Officiellement, c'est 200
100 000, 200 000 c'est peut-être excessif, mais peut-être entre 100, 150 000, vraiment énormément de tous les côtés. Hein. Ça, c'est pas. Et donc, vous vous souvenez pour brièvement, c'est que simplement au départ, il y avait eu des élections, le pays était rentré dans un processus démocratique, et à la fin des années 80, enfin dans les années 80, au début des toutes années 90, au tournant de la décennie, et il y a eu précisément en 1991 des élections législatives qui risquaient donc de donner, faire en sorte que le FIS, qui était le Front Islamique du Salut, c'est-à-dire le premier, c'était la première fois qu'il y avait des législatives multipartistes, hein, avec un nombre important de partis qui se présentaient, et que les islamistes, au premier tour, faisaient un peu plus de 40%, grosso modo 45%, hein, emportaient les suffrages à 45% des voix, et à ce moment-là, l'armée, et une partie aussi du pouvoir politique, hein. Il n'y avait pas que l'armée, mais là, en gros c'était l'armée, parce que surtout quand les, disons que les moments en Algérie, les moments clés de la politique algérienne tout le temps, c'est toujours l'armée qui au final décide de qui le faire. Mais ne le dit pas officiellement, mais c'est comme ça. Mais là, en tous les cas, l'armée n'a pas pris le risque. C'est le FLN, donc le FLN c'est... Non, le FLN c'est pas l'armée, on ne peut pas dire une chose comme ça, c'est le parti. Le parti qui est quand même appuyé sur le... Oui, mais ça c'est les résultats de... Oui. De la guerre, mais bon, non, c'est plus compliqué maintenant, parce que c'est plus exactement comme ça, d'accord. Parce que le temps a changé. Hein. Mais bon, global, disons que non, l'armée, le FLN, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de... en fait, pas de temps, beaucoup moins de passerelles qu'on peut croire, mais en fait, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Mais disons que l'armée n'a pas voulu prendre le risque qu'à un deuxième tour, le Parlement passe aux mains des islamistes. Absolument. Voilà. Donc, ils ont arrêté le processus démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de deuxième tour, qui était obligé, le président de la République, qui était à l'époque Chadli Bedjedi, à démissionner. Hein, ils l'ont vraiment obligé à démissionner. Quoi. Voilà. Ça a été un coup d'État, en fait, c'est un coup d'État, bien entendu. Et à partir de là, disons que les arrestations, il y a eu à la fois, mais ça commençait déjà un peu, arrestation de tout ce qui était les islamistes et lutte armée qui commençait de la part des islamistes violents, parce qu'il y avait des groupes islamistes violents. Non, et à partir de là, on est rentré dans une décennie épouvantable. Donc ces moines sont victimes de cette lutte, donc on ne sait pas si ils ont été enlevés par le groupe islamique. Oui, donc ça s'est passé beaucoup plus tard. Les moines, les moines qui étaient en Algérie, étaient des cisterciens installés en Algérie depuis 1938, la fin de... Ah non, même bien avant. Oui, mais À Tibérine. À Tibérine, mais les cisterciens étaient en Algérie depuis 1840. Hein. Oui. Et donc, depuis 1838. Et là, effectivement, le problème des moines, c'est qu'ils avaient des bons rapports avec tout le monde. Ils étaient dans la montagne au sud de Médéa. À côté de Médéa, à peu près une centaine de kilomètres d'Alger. C'est une zone très boisée, c'est la montagne. Il y avait juste un tout petit village, qui d'ailleurs, il faut noter, ce petit village était venu s'installer là parce que le monastère existait, et non pas le monastère à côté d'un village. Hein. Et donc, il entretenait des très, 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 très bonnes relations avec la population. Et en particulier, parmi les moines de Tibérine, il y avait un médecin, le frère Luc, qui était un très vieux médecin, qui était en Algérie depuis très très longtemps, et qui soignait tout le monde. Mmh. Il soignait tout le monde, tous ceux qui se présentaient à son dispensaire, y compris, disons, des gens qu'on appelle soit des guerriers, des djihadistes, des maquisards, donc comme vous voulez. Il était accusé. Donc, évidemment, l'armée, ça ne plaît pas du tout dans un pays, dans n'importe quelle armée du monde, dans ces cas-là, de voir que quelqu'un qui est en plus un étranger se mette de là. Ils ont essayé absolument de dire aux moines, partez. Enfin, pendant plus d'un an, on leur proposait de leur payer l'hôtel à Médéa. Enfin, bref, ils ont tout essayé ils étaient convoqués vraiment le prieur chez le wali, c'était l'équivalent du préfet, enfin, pour partir, quitter, rentrer à Alger, etc. Rien ne passait. Donc, il y avait évidemment, pendant cette guerre, qui était une guerre où il y avait des djihadistes qui s'en prenaient aux étrangers, qui s'en prenait aux étrangers, je dis bien, mais pas spécialement aux religieux. Quoi qu'il y ait eu des religieux de tués, en dehors des moines, comme l'on sait, puisqu'il y en a eu 19, puisque parmi les gens qui ont été béatifiés à Oran il y a 10 jours, c'était non seulement les 7 moines de Tibérine, mais c'était 19. Hein.
Des religieuses, l'évêque d'Orange, c'est encore qui a été le dernier. Mmh. Et là, bon, un jour, effectivement, les moines ont été enlevés. Et par qui ont-ils été enlevés? Est-ce qu'ils ont été enlevés? Officiellement, le GIA est venu les enlever. Mais le GIA est venu les enlever, c'était un groupe très, disons que djihadiste, très rigoriste, enfin violent, disons violent, hein, voilà. Simplement, est-ce que ces GIA, c'était vraiment que des GIA? Est-ce que c'était des GIA qui étaient manipulés par les services de sécurité? Parce que comme l'on sait dans toutes les guerres civiles, les gens infiltrés, ça existe partout. Les Français ont fait ça en Algérie pendant la guerre d'Algérie, quand ils infiltraient groupes de ALN. Ça, c'est, je veux dire, ça, c'est le bavard. Et évidemment, si on peut dire, alors on n'en sait rien réellement, sauf que ce que l'on peut dire néanmoins, c'est les moines avaient reçu la visite, il faut le rappeler ça en deux mots, avaient reçu la visite en 1993 d'un groupe vraiment de type du Jihad. Hein. Et ça, c'était, ils étaient six, ça s'était passé de façon un peu difficile en parole, hein, verbalement au départ. Les GIA étaient arrivés au monastère en demandant, d'abord ils voulaient emmener le père Luc pour qu'il parte dans la montagne soigner des blessés à eux, donc hors de question, refus bien entendu. Et la deuxième chose, ils demandaient de l'argent. L'argent, refus aussi, parce qu'on ne peut pas dire que le monastère était riche. Hein. C'est pas là où on trouvait des fortunes. Donc, et finalement, ils étaient partis en disant on reviendra. Ils ne sont jamais revenus. Parce que je pense qu'entre le père de Chergé, qui était le prieur de ce monastère, qui est manifestement quelqu'un de vraiment humainement formidable, outre le fait qu'il était là, il a su en imposer à ces gens. C'était la veille de Noël, ils sont même excusés en disant on vient la veille de Noël, parce que le père leur a dit bon, on doit aller maintenant pour faire la messe de minuit. Et je veux dire qu'il y a eu quelque chose, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le chef de ce groupe a été tué très proche, à même pas un kilomètre, deux ans après, un kilomètre du monastère, et jamais ils sont retournés au monastère pour les ennuyer. Donc tout là, après, c'est pour ça. Alors, ça peut tout à fait être des GIA, vraiment GIA. Mais la façon de s'est passé, on peut dire peut-être qu'en fait, que les gens qui sont venus, il y a eu un mix, disons, de services de sécurité et de trucs. Pour l'enlèvement, voilà ce que l'on peut dire. Voilà. Bon, on reviendra sur cela. Karim Ouchik, est-ce que vous avez des souvenirs vous-même à ce moment-là? Vous étiez, bien sûr, déjà engagé en politique. Est-ce que vous étiez sur le chemin peut-être de la conversion, vous étiez déjà peut-être en 96 ou déjà... Oui, est-ce que ça a eu un rôle, est-ce que ça a été quelque chose qui vous a marqué cette affaire à ce moment-là? Ça fait 20 ans maintenant. Bonjour d'abord à chacun d'entre vous. Alors oui, cette affaire m'a marqué comme beaucoup de Français, car nous avons été frappés par l'aspect mystérieux de cette affaire qui aujourd'hui encore a du mal à être comprise dans les tenants et aboutissants que venait madame à l'instant de nous rappeler. J'ai été frappé évidemment par la dimension de martyr de cette disparition, et je reste toujours troublé par l'absence d'explication que l'État algérien refuse au fond de donner, y compris aux autorités judiciaires françaises, parce que l'on sait bien que la procédure de justice qui est actuellement traitée, qui est pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, est bloquée par une absence de coopération des autorités judiciaires et administratives algériennes, et nous restons donc dans le trouble le plus total, ce qui est assez révélateur d'ailleurs d'une façon tout à fait opaque dont ce gouvernement et l'État algérien fonctionnent dans ce pays depuis 1962. On a un État omnipotent qui gouverne le pays de manière assez arbitraire, et cette affaire est un symbole, je crois, de la manière dont l'Algérie a du mal à trouver ses marques d'un point de vue démocratique. Et c'est en cela que cette affaire m'a marqué comme beaucoup de Français. Maintenant, en ce qui me concerne, elle ne m'a pas personnellement touché, puisque le cheminement qui a été le mien est antérieur. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre cheminement, parce que vous êtes une famille qui n'était pas vraiment qui n'était pas pratiquante, vous êtes élevé dans un islam tout à fait, je dirais, culturel, plus qu'autre chose. Absolument, enfin, mes parents ne pratiquaient pas de manière très rigoureuse la religion musulmane. Il y avait une ambiance
culturelle musulmane dans notre foyer. Je suis l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. J'ai perdu mon cadet il y a quelques années, mais nous étions quatre à avoir grandi dans une famille où, au fond, le temps était rythmé par les grands événements liturgiques de musulmans, mais il n'y avait pas de pratique quotidienne, il n'y avait pas de volonté, en tous les cas, de la part de mes parents, de nous inculquer et une foi et une pratique dans notre univers quotidien. De sorte que la grâce ayant cheminé intérieurement depuis bien des années, moi je pense que les prémices de cette grâce, je les discerne bien des années après, dès mon enfance, par le goût qui fut le mien de toujours fréquenter les églises. J'ai toujours été attiré par les églises. À chaque fois que je voyais une église, une cathédrale, une chapelle, je ne pouvais pas m'empêcher d'y pénétrer et de m'asseoir à l'intérieur, et puis d'avoir un temps de repos aujourd'hui que je qualifierais de spirituel. J'ai toujours été attiré par la musique sacrée, et je crois que cela a été le terreau fertile qui a permis, grâce à des rencontres, voici maintenant une vingtaine d'années, des rencontres de personnalités chrétiennes tout à fait entre guillemets quelconque, des personnes qui n'avaient pas d'engagement particulier, si ce n'est de porter une foi, et de porter cette foi de manière très rayonnante, eh bien, j'ai été évidemment séduit par ces personnes qui m'ont ouvert les yeux, et j'ai senti en moi un appel qui était au fond l'expression de cette grâce qui avait posé son doigt sur mon front, et qui m'a amené, voici une petite vingtaine d'années, à réfléchir, et aller au-delà de cette réflexion. Puisqu'il y a 15 ans, 16 ans, et très exactement, j'ai pris attache avec les autorités diocésaines de mon département, dans le Val d'Oise, et j'ai demandé à avoir un interlocuteur qui m'a été mis à disposition dans ma paroisse. Et j'ai entamé, voici donc 16 ans, une période de catéchuménat de l'ordre de 3 ans. Ça a été relativement long, hein, quand on veut se convertir au catholicisme et qu'on vient de l'islam, ça se fait pas comme cela. Oui, justement, est-ce qu'en France, il y a au contraire des réticences de la part de l'Église officielle ou pas? Aucune réticence, mais une volonté de procéder à un travail de discernement en allant au fond des choses. Les 3 ans de catéchuménat... Il n'y a pas un découragement en disant non, non, restez musulman, ça serait mieux pour vous. En tout cas, ça n'a pas été exprimé en ce qui me concerne. J'ai plutôt eu un accueil par la communauté. Paroissiale à la fois bienveillant, et puis une présence autour de moi qui m'a amené au fil de ces 3 ans, qui a été quand même assez lourd, si je veux dire, puisque c'était quand même tous les samedis, je m'en souviens encore, près de 2 heures le samedi matin de travail, de discernement, de travail sur les Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'idée étant de bien comprendre le cheminement qui est le mien, et de bien être sûr, en ce qui me concerne, mais également pour l'Église catholique, que ce discernement était réel et devait me conduire au baptême. Donc ce travail était entrepris, et donc voici 15 ans, j'ai embrassé la foi catholique par mon baptême, et puis la confirmation l'année d'après. Non sans difficulté, parce que tout ça, vous imaginez bien que lorsque vous quittez... Oui, par rapport à votre famille, par exemple, est-ce que... Ah ben, ça a causé des ruptures considérables, qui demeurent d'ailleurs, qui demeurent même profondément ancrées en moi-même, puisque c'est des meurtrissures, hein, quand vous avez une famille qui refuse à la fois votre cheminement et votre conversion, et qui la refuse très nettement, eh bien ça entraîne des séparations douloureuses avec votre fratrie, avec vos parents, et des incompréhensions qui demeurent. Nous parlons évidemment au sein de ma famille, mais c'est un sujet que je qualifierais de tabou. Oui, hein, on ne veut pas revenir sur ce qui apparaît être comme forme de reniement, oui, un reniement culturel, et c'est très difficile à vivre. Donc là, on a l'exemple en France, où ça devrait être quand même plus simple. Alors, évidemment, revenons aux moines de Tibérine, eux n'avaient pas du tout un rôle de prosélytisme en Algérie. Non, pas du Quel tout. Quel était leur rôle? Pas du tout, pas du tout. Sinon d'être assistante sociale. Non, ils n'étaient même pas... Enfin, comment dire, ils n'étaient pas assistante sociale, à part le frère Luc, qui est médecin, qui soignait. Oui. Les autres n'avaient pas... C'était des cisterciens qui étaient à un endroit pour prier, pour faire cette présence. Alors au départ, quand les cisterciens, comme tous les autres, quand ils sont arrivés en Algérie, c'est du temps de la colonie française, il y a eu du prosélytisme. En fait, c'était ça, hein, pour lequel l'Église était là-bas, hein, quand on les a fait venir. On va ensuite, revenir sur après, la, après, sur après, oui, oui, mais après et... le
Disons qu'après l'indépendance, il n'était pas question de faire du prosélytisme, d'abord parce que c'était complètement interdit. Et je pense que l'église d'Algérie, hein, qui s'est plus dit une église en Algérie, mais l'église d'Algérie, ça a été clair, en fait, ça a été le choix, hein, des autorités de l'église à l'époque. C'est plus fort, église d'Algérie, que église en Algérie, non, je trouve. Enfin, église d'Algérie, c'est... Mais oui, l'église d'Algérie, ça veut dire que c'est l'église, ça fait partie par... Il y a des Algériens qui sont chrétiens. Il n'y a pas simplement monsieur qui s'est converti ici, mais il y a des Algériens qui s'étaient convertis. Il y en a toujours qui se convertissent un peu. Mais disons que c'est pas du tout facile. Mais il y a des Algériens contraints. Et même sous Boumédienne, il y a eu un ministre des Finances qui était chrétien. Les Algériens qui étaient chrétiens de famille chrétienne depuis longtemps, ça n'a jamais posé de problème. Le problème est ceux qui se convertissent aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, j'entends qui se convertissent depuis l'indépendance, depuis ces dernières décennies, quoi, en fait. Leur rôle était, à la limite, on peut dire, c'était des priants, puisque ce sont des cisterciens, ce sont pas des... Alors qu'il y avait des tas d'écoles chrétiennes en Algérie autrefois. Hein. Moi-même, j'ai été professeur, j'ai des jésuites, un peu par hasard, mais comme ça, avant que ça soit nationalisé, au début des années 70. Hein. Mais un peu par hasard. Dans une école de garçons, donc il y avait des institutions. J'ai habité deux ans en Algérie. Oui. Il y avait des institutions chrétiennes. Bon, après, beaucoup sont restés, dont les quatre prêtres, les pères blancs à Tizi Ouzou qui ont été assassinés. Ça, c'était la répercussion après l'affaire de l'avion, hein, en décembre 94. C'était aussi politique, mais enfin, on a choisi des prêtres, là, hein, pour les assassiner. Vous savez, il y a eu cet avion d'Air France qui a été pris par des islamistes et qui est resté, qu'ils ont empêché de décoller de l'aéroport d'Alger. Un avion, c'était juste la veille de Noël ou l'avant-veille de Noël, avec un maximum de Français qui étaient à l'intérieur, bien sûr. Et ils ont été... Il y a eu 3 personnes de tuées, dont l'un qui était un jeune cuisinier de l'ambassade. Ça a été politiquement très compliqué entre les Algériens et les Français. Les Français voulant qu'effectivement l'avion parte en France, ce qui est arrivé au final. Après que Balladur tape sur la table auprès du président de l'époque pour faire décoller l'avion. Le GIGN est intervenu à Marseille quand l'avion s'est posé. Et les terroristes ont été tués. Hein. Voilà. Donc, et en répercussion, le lendemain ou le surlendemain, il y a eu 4, c'est-à-dire le même nombre que les terroristes. Et ça, moi, je suis persuadée. Il y a toujours, mais partout où vous regardez au Moyen-Orient, il y a un truc, il y a toujours des symboles chez tous les islamistes. C'est-à-dire qu'on a tué les quatre terroristes de là. Il y a eu 4 pères blancs assassinés à Tizi Ouzou. Complètement. Oui. C'est absolument ça. Enfin, bref. Pour vous dire que il y avait des petites soeurs des pauvres, ils travaillaient la terre avec des gens du village. Par exemple, ils avaient manifestement de très bonnes relations. S'ils n'ont pas voulu partir, après l'avoir envisagé un moment pendant cette guerre, parce que c'était terrible, ils étaient tout seuls, là, étrangers, religieux, dans un endroit qui était en pleine guerre. C'était des forêts, une zone de maquis, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas voulu partir, je pense, malgré les pressions des autorités, pour rester avec les villageois. Parce que les villageois, il y a eu une très très belle phrase où un jour, je me souviens plus, un des frères discutait avec un villageois, parce qu'il y en avait qui avaient des relations très étroites et des relations aussi spirituelles. Les villageois étant musulmans, hein, bien sûr, mais bref, et qui discutaient vraiment religion, spiritualité.
Et il y a un des villageois, et l'un d'eux dit, discutant, dit à l'autre, mais alors nous, enfin, on peut peut-être partir un jour, nous sommes comme l'avion, comme l'oiseau sur la branche. Mmh. Et le villageois lui a répondu, mais non, c'est nous qui sommes l'oiseau, vous êtes la branche. Oui. Et si jamais vous partez, où est-ce que nous irons, où est-ce que nous allons nous poser? Ah ben, c'était leur, c'était le oui, socle c'est assez en même étonnant temps. Comme, comme rapport, en fait, que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est étonnant, je ne suis pas sûr que ça soit étonnant. Si, entre une, enfin, des représentants d'une autre religion. Non, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Enfin, si vous permettez de préciser, pour bien connaître, enfin, disons connaître pas mal le monde arabe où je me suis, ça fait 40 ans que je me balade dedans, en tant que journaliste, et puis ça. C'est que je pense que les musulmans, je ne parle pas des musulmans, ceux qu'on appelle les islamistes, encore pas les islamistes, mais je veux dire les islamistes oui, armés, enfin je veux dire hein, les groupes djihadistes, hein. Laissons tomber. Je veux dire, oui, non, mais enfin, c'est ça. Bon, enfin, qui quand même ont tendance à dominer maintenant, enfin à s'imposer par l'argent. Ils ne sont pas tous wahhabites. Ah oui, ça, bien sûr, mais bon, oui, c'est encore autre chose, encore un autre oui. chapitre, ça. Mais je pense que les musulmans, la grande majorité quoi, des musulmans, ont beaucoup de respect pour les chrétiens, comme ça, c'est les gens du livre. Mmh. Et ils ont beaucoup de respect pour les religieux, et en particulier les religieux, ou les chrétiens normalement, ou les religieux encore plus, parce que c'est des gens qui donnent leur vie à leur foi. Mmh. Vous savez, quand on dit précisément ça, je l'ai mis un moment dans le livre, c'est Abdelkader, donc au début de la colonisation, n'est-ce pas, disant. Mais parce que les autorités françaises, à l'époque, au tout début, ne voulaient pas que l'Église s'installe en Algérie. Il n'était pas question de faire du prosélytisme, ce n'était pas le problème hein, à l'époque, hein, pour les autorités politiques françaises. Hein. Et donc, et Abdelkader aurait dit un jour, mais enfin, où sont vous, à quoi est-ce que vous croyez? Où sont vos minarets? Où sont vos, etc. Vos clochers, notes, okay. Voilà. Et donc, c'est évidemment ce qui a permis aux quelques religieuses, autorités religieuses catholiques qui étaient sur place à Alger, de dire, regardez comment on nous considère, qu'on n'a pas de, qu'on n'est pas des croyants, quoi, disons. Et donc, je pense effectivement qu'il y a un grand respect entre, est-ce que c'est une spécificité, Karim Ouchik, est-ce que c'est une spécificité du Maghreb, ça, cet islam peut-être tolérant entre guillemets, parce que c'est pas du tout le cas en Arabie Saoudite par exemple. Non, mais l'Arabie Saoudite est un cas à part. Non, mais on dit toujours l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui est comme ça, où on ne peut pas avoir de trucs. Le Moyen-Orient par exemple, c'est un pays où il y a, si vous prenez même le Liban, qui est alors l'inverse d'un autre côté hein, du cheval, peut-on dire, si l'Arabie Saoudite n'accepte pas d'autres religions. Mais, et le Liban, par contre, c'est une mosaïque de communautés, mais tous les autres pays que vous avez, en Jordanie, en Syrie autrefois, en Syrie, partout, même en Iran, vous avez des communautés chrétiennes, partout, on a toujours accepté dans le Moyen-Orient. Le catholicisme, il est sorti du Moyen-Orient. D'où est sorti Jésus? Oui, je sais bien, mais il y avait quand même... Donc c'est le Moyen-Orient, l'origine. Un statut un peu de soumission et de dépendance. Mais ça, c'est la politique, en fait. Ça, c'est la politique. Les gens, je veux dire, dans tout le Moyen-Orient, alors évidemment... sauf l'Arabie Saoudite, dans tous ces cas, il y a toujours eu une... Les églises se sont côtoyées. Alors c'est évidemment, maintenant, on arrive dans des périodes d'exacerbation maintenant. Hein. Depuis les... C'est ça. Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'effectivement, le fidèle musulman, quel que soit son degré de pratique et de rapport à la foi, est toujours fasciné, admiratif à l'égard des chrétiens. Et même respecte le chrétien dans l'expression de sa foi dès l'instant où il le manifeste très clairement. Et le drame, je crois, de l'Église catholique romaine, notamment au Maghreb, c'est de ne pas avoir su depuis bien des décennies, ça ne remonte pas qu'à l'affaire de Tibérine, d'avoir su en réalité
accomplir la mission d'évangélisation qui est la sienne. Je crois qu'il y a une mission quand même qui est celle d'évangéliser les âmes qui n'a pas été réellement accomplie. D'abord parce qu'on ne souhaitait pas à l'époque de la colonisation française se mettre à dos des populations que l'on pensait peu réceptives à ce travail de mission d'évangélisation. Et aujourd'hui, depuis 62, parce qu'on estime qu'il faut absolument, coûte que coûte, s'accommoder avec le pouvoir central à Alger et qu'il faut surtout pas faire de vagues. Et je crois que nous avons une église qui, en Algérie notamment, pratique une politique pastorale d'enfouissement qui est tellement, tellement invisible qu'au fond, elle porte, de mon point de vue, guère de fruits. Alors peut-être qu'il y a des conversions, mais ces conversions, à mon avis, sont en des proportions extrêmement infimes. Si je les compare, en réalité, aux conversions que l'on constate partout dans le Maghreb et notamment en Kabylie, mais également dans tout le monde berbère, au bénéfice des églises évangéliques, et notamment des églises évangéliques américaines, qui viennent évidemment non seulement avec des moyens financiers qu'on peut imaginer, mais aussi avec une forme de prosélytisme tout à fait décomplexé, qui séduit le fidèle musulman, qui s'interroge, et qui... sur cette terre qui est quand même la terre d'Augustin, de Saint-Augustin. Oui, on va revenir un peu sur l'histoire. S'interroge après. Sur les racines chrétiennes de l'Algérie, et vous avez des populations entières en Kabylie, des villages entiers, en tout cas des proportions assez considérables d'Algériens qui se convertissent, non pas au bénéfice de l'église catholique romaine, ce que personnellement je regrette profondément, mais au bénéfice des églises évangéliques américaines. Et tout ça parce que, encore une fois, l'église catholique souhaite. Alors est-ce que c'est depuis Vatican II? Je ne crois pas, puisque je crois que tout ça remonte à des années bien plus anciennes. L'Église catholique, en tout cas en Algérie, adopte une politique de prosélytisme extrêmement, extrêmement faible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de prosélytisme. Voilà, et c'est interdit dommage. De faire du prosélytisme. Alors, moi, je le regarde parce que je suis tout à fait admiratif de ce travail de présence à Dieu. On parlait des moines de Tibérine, mais on peut parler aussi des pères blancs oui. qui subsistent encore à Tamanrasset, enfin en tout cas à la Sécrème. Vous savez qu'il y a dans cette région montagneuse au sud du Sahara, au cœur du Sahara, moi j'ai eu l'occasion d'y aller au moins père de fois, père de Foucault, oui. l'ermitage du père de Foucault, il reste encore une présence extrêmement marginale de pères blancs qui ont quasiment plus aucune vocation de présence à Dieu, si ce n'est par la prière, mais en tout cas une mission d'évangélisation, et qui, je crois, aujourd'hui, se contente d'apporter des informations météorologiques à l'État algérien. Donc, ils font des mesures météo dans le Sahara, et les transferts à Alger. On va revenir sur... on va passer peut-être à une petite musique pour ouvrir un deuxième volet qui sera, justement, de parler de l'histoire un peu du christianisme en Algérie, parce que c'est une histoire très ancienne et très mouvementée. Donc, d'abord un peu de musique. Sure.
Nous venons d'entendre un chant chrétien de Kabylie, un Alléluia. Je vous rappelle que, probablement protestant plus que catholique, je pense, je vous rappelle que, d'ailleurs on va en parler du protestantisme en Algérie, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance de Philippe Delorme. Nous parlons aujourd'hui du christianisme en Algérie autour de la béatification des martyrs de Tibérine, avec Mireille Duteil, ancienne grande reporter au Point, qui est auteur des Martyrs de Tibérine aux éditions Salvador, et Karim Mouchik, président du Ciel, parti Souveraineté, Identité, Liberté, d'origine algérienne et converti au catholicisme. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant, peut-être dans une deuxième partie, du christianisme en Algérie, en remontant finalement à l'Antiquité, parce que, avant d'être une terre musulmane, ça a été d'abord une terre païenne, à l'époque de Carthage et puis de Rome, et puis ensuite une terre chrétienne avec un christianisme parfois un peu hétérodoxe, d'où l'explication peut-être d'un passage plus facile à l'islam. Alors est-ce qu'on peut parler de peut-être Mireille Duteil, peut-être des origines du christianisme jusqu'à... Vous avez raison de dire que le Maghreb a été... Enfin, ce qu'on n'appelait pas ça le Maghreb. Hein. Non. L'Afrique du Nord, l'Africa, disons. Non, disons, voilà. La Numidie, entre autres, etc. Oui. Tout ce qui était ça, c'était une terre... c'était une terre chrétienne. Enfin, partiellement chrétienne, faut pas exagérer là non plus. Mais quand même chrétienne, depuis Carthage, et ce qui est aujourd'hui le géographiquement l'Algérie, la chrétienté est arrivée en 180. C'est énorme. Et c'est resté, en fait, comme ça pendant 7 siècles. Chrétienne et juive, parce qu'il y avait aussi des communautés juives. Ah oui, il y avait des communautés juives. D'ailleurs, Était avant même, qui était avant l'arrivée de la chrétienté. La chrétienté est arrivée par Carthage. Et donc, il y a eu, comme vous le disiez, Saint-Augustin, bien entendu. Il y a eu un pape à Rome. Évêque d'Hippone qui était à Annaba. Actuelle Annaba. C'est une ville qui change de nom. Absolument, oui, tout à fait, comme beaucoup. Et puis, vous avez eu aussi un pape à Rome, qui était un pape issu de la Numidie, donc. Il y a eu Sainte-Monique, la mère de Saint-Augustin, qui, elle, était complètement berbère. Alors que Saint-Augustin, son père était romain, et sa mère était berbère. Enfin, non, c'est vraiment... c'est comme ça que le christianisme est arrivé jusqu'à la côte atlantique, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le Maroc. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, peut-être, Karim Mouchik, qu'il ait disparu plus facilement que... En Égypte, par exemple, où il est resté une présence chrétienne importante. Spécialiste, mais je sais que les derniers foyers chrétiens en Algérie ont subsisté jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Oui. Donc ça a été une présence assez considérable, qui dans le temps, évidemment, s'est éteint parce que la puissance de feu de l'islam conquérant à ces siècles-là a été tellement... destructrice de la présence chrétienne en Afrique du Nord, qu'évidemment l'islam s'est installé pour de nombreux siècles, mais des foyers ont subsisté, notamment en Kabylie, ce qui fait que jusqu'au XIXe siècle, il y avait une présence chrétienne dans certains villages kabyles, certaines familles étaient chrétiennes, et on le savait, alors avec un mode d'expression plus ou moins ostensible, mais ça subsistait. Et puis, il aurait fallu, évidemment, durant l'époque de la colonisation, un travail des âmes qui aurait dû être mené, je crois, par les communautés chrétiennes de l'époque, qui n'a absolument pas été réalisé. Et ça, je ne peux que le regretter pour ma part. Donc, 1830, l'Algérie devient française, la conquête de l'Algérie. Le diocèse d'Alger est instauré en 1838. Le consistoire protestant en 1839. Donc à ce moment-là, il y a un cadre quand même, mais il n'y a pas, effectivement, comme disait Karim Mouchik, pas de volonté de... Pas au tout début. Conversion, comme je vous le disais tout à l'heure. Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que c'était la volonté politique du côté français de dire les Algériens, donc ces gens que l'on arrive pour coloniser, sont musulmans et voilà, et ils doivent le rester. Et ça n'a pas duré très longtemps. Globalement, je pense pas me tromper si je vous dis que ça a duré une dizaine d'années, et c'était le cardinal Lavigerie, qui est vraiment le bâtisseur de l'église d'Algérie, qui a vraiment bataillé
vraiment bataillé, et qui a obtenu de Napoléon III. Oui, en fait, c'est quand le Second Empire arrive, il y a peut-être absolument une politique plus absolument catholique, qui a vraiment bataillé pour que l'Algérie, enfin, ces provinces qui n'étaient pas encore des provinces, on installe vraiment une véritable église où on fait des écoles, on installe des églises, etc. Et où il y a une volonté de prosélytisme. Il y a eu une volonté de prosélytisme. Mais on ne va pas dire qu'il y a eu des hordes qui ont déferlé sur l'Algérie, ça serait ridicule. Mais néanmoins, bon, bah, il y a des gens qui se sont convertis, ça c'est incontestable. Mais ça surtout s'arrête en Kabylie. Sous la Troisième République. Non, ça s'arrête pas. Mais ça n'a jamais été dans des quantités industrielles. Enfin, quand même, la Troisième République laïque a entendu, parce que c'est là où les moines de Tibérine, les moines cisterciens qui avaient à l'époque un monastère à côté d'Alger. À Staouili, qu'ils ont dû partir. Ils ont dû quitter l'Algérie, parce que ça, c'était dans le cadre précisément de la laïcité militante, disons que 1905, et puis ensuite, et plus tard, quoi, dans les années qui ont suivi. Donc, effectivement. Mais je veux dire, jusqu'à l'indépendance, il n'y avait pas. Non, vous avez raison, après. Il n'y a jamais eu énormément de conversions, mais il y en a eu. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu des officiels qui étaient chrétiens. Peut-on dire, je m'interroge et je vous interpelle d'une certaine manière, que tout cela n'est pas sans rapport avec la politique diplomatique de la France, de la Troisième République. Chacun sait bien que la France, sous cette période, avait essayé de lancer les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique arabe de la France. Il fallait que la France puisse, avec notamment la puissance ottomane, avoir de bons rapports, en tous les cas essayer de s'installer dans cet univers arabe et faire face aux autres puissances coloniales de l'époque, en tout cas aux autres puissances hégémoniques que furent à l'époque la Grande-Bretagne, mais aussi la Russie. Et donc il y avait certainement une vision de la Troisième République en direction du monde arabe qui consistait moins à évangéliser les hommes qu'à tenter de conserver des relations pacifiques avec ces populations, dans un rapport de force avec les autres puissances. Je dis cela parce que... Vous avez raison, bien sûr, vous avez raison. À la même période, on voit bien que la France, la Troisième République, en relation avec l'Église catholique et avec les missions étrangères, avait une politique complètement différente dans les pays d'Afrique noire, où là, les missions étaient solidement installées et avaient vocation, à côté de l'éducation nationale, ça ne s'appelait pas comme cela à l'époque. Mais c'était pas face à l'islam, c'était pas face à l'islam. Vous avez raison. Je veux dire par là que la Troisième République n'était pas, de manière atavique, attachée à l'idée de ne pas permettre la propagation de la foi. En Afrique noire, c'était le cas. Mais, pour les raisons que je viens d'expliquer, qui ne sont pas sans rapport avec les ambitions diplomatiques de la France, ça n'a jamais été le cas, je crois, en tout cas sous la Troisième République et la Quatrième République, avec cette terre d'islam. Mais je pense que vous avez raison au niveau théorique, sauf que... Non, vous avez raison au niveau diplomatique, sauf qu'en Afrique noire, c'était pas musulman. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile de convertir des gens de l'islam au catholicisme. Mais est-ce que le dilemme de l'Algérie, justement, ça n'a pas été... Si les Algériens musulmans, enfin de souche, je dirais, n'ont pas pu devenir des Français à part entière, c'est aussi parce que on l'a réservé, à cause de la religion, on leur a réservé un statut spécial, dans lequel il y avait des tribunaux spéciaux, etc. Donc ça a interdit d'une certaine manière le fait qu'ils deviennent français. C'était un privilège qu'on leur réservait, en même temps on les mettait à l'écart. Alors est-ce que c'est ça qui est un peu compliqué? Est-ce que c'est à cause de la religion? Ah, je pense, oui, c'est la religion qui faisait... Ou parce qu'ils étaient après... Que de toute façon, c'est parce qu'ils étaient musulmans, mais aussi parce qu'ils étaient arabes, faut pas se faire d'illusions. Hein. Et je veux dire qu'en fait, après, on leur mettait des tribunaux pour justifier le tout. Oui, mais parce que c'est religion pour justifier le tout. Je sais pas, c'est dans quel sens. Mais oui, je crois que ça se joue dans les deux sens, ça. Mais bon, le statut d'indigénat n'a pas été propice, évidemment, à l'assimilation de ces populations. Évidemment, évidemment. C'est certain. Maintenant, est-ce qu'on doit s'en féliciter aujourd'hui ou le déplorer en 2018 lorsqu'on voit
la puissance démographique de ces pays en Afrique du Nord. Imaginons un seul instant, on va pas refaire l'histoire. J'imagine qu'elles auraient été différentes s'ils avaient eu un développement différent. C'est-à-dire qu'elles se seraient certainement alignées, cette puissance démographique, sur la puissance démographique, sur l'impuissance démographique continentale. Une Algérie encore présente sur le territoire français, imaginons un seul instant les transferts massifs de population qui se seraient produits aujourd'hui. Déjà, nous avons du mal à faire coexister en France en 2018, demain en 2019, des populations françaises de confession musulmane ou des populations étrangères de confession musulmane sur notre territoire d'avec les populations dites de souche. Avec les proportions que nous savons, il y a à peu près entre 6 et 12 millions de musulmans en France. Imaginons que si l'Algérie eût été encore française, quelles conséquences ça aurait pu avoir aujourd'hui. Oui, mais si on pays. Imagine une Algérie française qui, dès 1830, serait entrée dans un processus d'assimilation. C'est vrai, c'est vrai. Du développement, vous voulez dire aussi. De développement. Et de développement, bien sûr, de développement qui aurait fait qu'effectivement les femmes auraient changé leur mode de vie et auraient eu moins d'enfants, je pense, comme... on serait dans l'exemple de la Bretagne ou de la Corse actuellement, voilà, qui étaient des pays sous-développés au 19e siècle et qui sont aujourd'hui au niveau, voire au-dessus de... Sauf qu'on n'a pas de moyens comparables. Si je peux quand même préciser... Que l'Algérie aujourd'hui a un taux de croissance démographique qui est pas beaucoup plus élevé que le nôtre. Ça fait longtemps que l'Algérie est à 2%. Bah oui. Bien sûr. Et ça fait longtemps. C'est pas l'année dernière, l'année précédente. Non, le défi, ça fait 15, plus 20 ans. Donc je veux dire, oui, bien sûr. Mais alors évidemment, quand la croissance démographique baisse, après c'est des générations, ça met long. Oui, disons que les conséquences. Le train ralentit doucement. Voilà, le train ralentit doucement, même si maintenant ça fait longtemps parce que les filles se sont aussi développées, elles sont éduquées et voilà. Comme disait ça, Pierre Chenu, qui a été mon professeur à la Sorbonne, finalement, la décroissance démographique mondiale, elle a commencé dans les années 60, c'est-à-dire les taux de fécondité, même si c'est encore très élevé dans certains pays, commencent à décroître et petit à petit, on arrivera finalement terme à une décroissance de la population mondiale. Mais ça, c'est effectivement, ça met du temps, c'est long. C'est long, absolument. Parce que les enfants que vous faites, c'est 50 ans après qu'on le creuse, ça l'aperçoit. Mais ça fait longtemps, ça fait plusieurs décennies. J'ai travaillé au plan Alger, ça je peux vous le dire. Donc peut-être, et puis en plus, comme la crise économique va être de plus en plus forte, et on pourra en parler peut-être de la situation politique de l'Algérie aujourd'hui. Alors revenons quand même aux chrétiens en Algérie. À peu près 45 000 catholiques, on ne sait pas exactement, dont beaucoup sont quand même des étrangers. C'est pas vraiment les... Peut-être. Et puis peut-être 50 à 100 000 protestants. Donc ça, 0,2% de la population, ce qui est quand même extrêmement marginal. Oui, bien sûr. Alors effectivement, quand vous dites les étrangers, vous avez raison, parce que les chrétiens vraiment algériens, c'est beaucoup plus faible que ça. On dit parfois 5 000, autour de 5 000. En fait, maintenant, les étrangers qui travaillent là-bas, mais il y en a quand même beaucoup moins maintenant depuis la guerre civile des années 90. Les gens reviennent peu à peu, mais enfin, surtout je parle les Occidentaux, les Français, etc. Les hommes d'affaires reviennent, s'installent aussi, mais enfin, c'est encore très peu. Non, ce qu'il y a beaucoup, c'est maintenant, on voit l'église algérienne, enfin, d'Algérie, peut-on dire, c'est une église noire, parce que beaucoup, ce sont les Africains, les étudiants africains. Et l'église de banlieue parisienne aussi. C'est les étudiants. En fait, ce sont les étudiants africains qui viennent poursuivre leurs études à Alger, Oran, Constantine, qui sont chrétiens. Voilà. Revenons comme au Maroc. Sur le statut du christianisme légalement. Donc, la constitution, qui est une constitution en principe socialiste, laïque, dit que la liberté de culte est garantie. Mais quand même, l'islam est religion de l'État, c'est l'article 2 de la Constitution, donc tout ça c'est un peu contradictoire. On peut être chrétien, mais pas de prosélytisme. Alors est-ce que vous pouvez faire un peu le point sur la... c'est un peu compliqué, voilà. Non, pas vraiment. Le code pénal ça, punit l'incitation au changement de religion. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien être mis en prison pour ça. Oui. Le problème c'est que c'est compliqué. L'Algérie est un pays, officiellement un pays laïque, mais... Religion d'État, ça ne veut pas dire qu'il y a obligation
comme par exemple dans le Maroc, où ça, c'est le roi est à la fois un pouvoir religieux et un pouvoir civil. Donc on peut être ce que l'on veut en Algérie, hein. Mais effectivement, c'est la religion d'État, donc le président de la République, par contre, lui, je pense qu'il ne peut pas ne pas être musulman. Oh, il ne doit plus être grand-chose de Bouteflika actuellement. Non, mais je vais dire l'institution. Voilà. Ça. Sauf que ça, c'est... Et globalement, disons qu'on, dans la mesure où les églises ne font pas de prosélytisme, les églises catholiques ou protestantes traditionnelles ne font pas de prosélytisme, ça passe. Le prosélytisme ne passe pas. L'inquiétude, comme nous l'avons dit, c'est cette arrivée à relativement toujours, parce qu'on parle de petits chiffres massifs d'évangélistes, parce que les évangéliques, c'est des gens qui viennent avec de l'argent, qui sont généralement américains. Donc tout d'un coup, c'est la peur de l'oncle Sam, la peur de l'arrivée des Américains sous une casquette évangélique, peut-on dire. Hein. Et en plus, les évangéliques ont, disons, des cérémonies qui sont beaucoup plus faciles, un accès à la religion qui est beaucoup plus facile que la religion chrétienne avec avec ses mystères. Et puis, bon, je pense, vous le savez mieux que moi, je pense que la religion chrétienne, pour certains, ça a toujours un peu la connotation un peu coloniale, c'était ça aussi. Hein. Et donc là, pour le pouvoir politique, c'est arrivé, c'est en Algérie, c'est en Tunisie, c'est au Maroc, l'arrivée des évangéliques, c'est très mal vu. Alors c'est justement, à Karimouchik en France, c'est pareil, vous qui êtes catholique, est-ce que vous êtes confronté à des d'anciens musulmans devenus évangéliques ou... différentes sectes protestantes, j'en connais en banlieue parisienne. En banlieue, notamment, ça existe, un pasteur qui est très actif en région parisienne et qui évangélise les âmes en des proportions assez considérables. Donc cette présence évangélique sur le territoire français en direction des populations musulmanes demeurant sur notre territoire est tout à fait réelle. Et donc on a un travail qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui concurrence, je crois, si j'ose dire d'un point de vue spirituel tout au moins, bien le travail d'évangélisation que fait ou que devrait faire peut-être avec beaucoup plus de, comment dirais-je, de présence au monde, en quelque sorte, l'Église catholique française. Et je voulais quand même revenir, si vous me permettez, cher Philippe, sur le propos que vous aviez évoqué à l'instant concernant l'Algérie. Sans me dérober à votre question de départ. Non. On parle librement et on peut répondre à des questions que je n'ai pas posées aussi. En Algérie, l'État est laïque, d'un point de vue institutionnel. Absolument. Mais on estime que l'islam est une religion dominante culturellement. Non pas parce que l'Algérie est un État confessionnel ou théocratique, c'est un État laïque, institutionnel, mais on reconnaît qu'il existe un modèle culturel dominant qui est l'islam. Ben moi, je défends cela. Je défends cela parce que j'aspire à transposer ce modèle-là, on va peut-être en parler tout à l'heure, en France, ce qui serait une manière de se libérer d'une certaine crise identitaire qui, à mon avis, préoccupe considérablement nos compatriotes et qui serait peut-être la porte de sortie des préoccupations culturelles que nous avons tous et qui nous traversent tous l'esprit, en tout cas d'un point de vue collectif. Ce que je regrette en Algérie, c'est que ce modèle dominant culturel que je reconnais, que j'accepte et que je considère normal en Algérie, comme en Tunisie, comme en Syrie, comme en Égypte, ne tolère pas de manière réelle les églises minoritaires. Dans la constitution algérienne, on reconnaît la libre expression des églises minoritaire, ce qui n'est réellement pas le cas, puisque on sait bien que les églises minoritaires, notamment chrétiennes et catholiques romaines, sont d'une certaine manière, sinon pourchassées, mais en tout cas entravées. Ils sont pas pourchassées. Entravées. Le fait d'entraver, quand même, la capacité d'une église. Une église a quand même pour mission d'évangéliser les âmes. On peut faire des soins, on peut faire de l'éducation, on peut faire du jardinage, tout ça c'est très bien, c'est une présence au monde que je reconnais parfaitement, mais la mission première d'une église c'est d'évangéliser les âmes. Or lorsque vous interdisez à une église, pratiquement, d'évangéliser les âmes, eh bien vous l'entravez dans son expression. Et quand en Algérie vous souhaitez vendre une Bible, ou lire une Bible en public, ou la partager avec autrui, que cela est passible
de poursuites et de sanctions pénales. Maintenant, ça c'est bien depuis sûr, les évangélistes précisément. Je vous parle de maintenant. Et je dis donc qu'il y a une certaine forme de persécution. Ou à contrario, par exemple, si vous mangez pendant le ramadan, en public, je pense que vous risquez d'être emprisonné, en tout cas, ou d'en recevoir une amende. Mais ça, c'est encore... Oui. Ça, c'est maintenant. Tout ça, c'est des choses qui arrivent depuis... Disons que c'est depuis la fin des années 70 avec cette montée de l'islamisme. C'est ça, en fait. Hein. Je comprends. C'est pas que les pouvoirs, enfin, comme le pouvoir algérien, c'est pas qu'il est devenu plus non, islamiste. Mais, il donne des mais de à fait, absolument. Tous les pays, malheureusement, tous les... Ça a été Boumediene, ça a été Bourguiba. Tout le monde a tous les... Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Tous les chefs d'État, y compris... La question kabyle, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Kabylie, parce que c'est quand même, par exemple, c'est dans la Wilaya, donc dans le département de Tizi Ouzou, donc la Grande Kabylie, qu'il y a à peu près 1 à 5% de chrétiens. Donc les chrétiens sont relativement concentrés plutôt en Kabylie. Donc est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi du pouvoir algérien que l'identité kabyle se... Bon, d'une certaine manière, utilise un retour au christianisme. Fissure encore plus, disons, qu'encore avec un changement de religion, les fissures. Alors, c'est d'ailleurs, c'est vous savez mieux que moi pour répondre ça. Pourquoi la Kabylie? Est-ce que c'est parce que c'est historiquement aussi, c'est en Kabylie qu'il y a eu autrefois, avant l'arrivée de l'islam, historiquement, c'est en Kabylie qu'il y a eu le plus de chrétiens. Et où la région, où le christianisme est resté plus ou moins donc, une teinte de christianisme culturel. Peut-être, dans la culture. Quelque part. Il est certain que le pouvoir central à Alger a une peur considérable, c'est le séparatisme kabyle. On a vécu cette année le séparatisme catalan et on a vu à quel point Madrid, et c'est bien normal pour un État souverain qui souhaite conserver l'unité de son territoire, s'est défié du séparatisme catalan. Il faut imaginer qu'à Alger, c'est la même chose. On a peur que le peuple kabyle, qui représente une réalité culturelle réelle, et une solide, aussi, parce ancienne, que ce n'est pas une langue, arabe. Un mode d'expression, des coutumes qui sont radicalement ou quelque peu différentes des coutumes et des modes de vie partout ailleurs en Algérie, puissent à la fois s'exprimer mais également puissent trouver un mode d'expression politique dont l'un des ressorts serait le retour au christianisme. Donc le fait qu'il y ait ce raidissement de l'autorité centrale en Algérie contre toute forme de prosélytisme, c'est parce qu'on sait bien que ce prosélytisme pourrait prospérer d'abord en Kabylie et que ce serait au fond une possibilité supplémentaire pour ce territoire dont on se méfie depuis des décennies, au moins depuis 1962, de pouvoir ambitionner d'accéder à l'indépendance. Voilà. Et je crois qu'une des clés d'explication de ce raidissement d'un point de vue juridique, réglementaire, législatif et légal est liée à cette peur congénitale de l'État algérien de voir se développer en son sein une forme de séparatisme kabyle qui a toujours existé mais qui prend beaucoup plus de puissance ces dernières années. Oui, juste un truc, c'est pas exactement le même genre, mais d'autant plus qu'en fait, disons que la décennie noire, si on appelle, c'est-à-dire les années de la guerre civile dans les années 90, c'est là que ça a vu, pas paradoxalement finalement, les Algériens s'intéressaient de tourner plus vers le christianisme. Parce que vraiment ce djihadisme, ça a été un tel rejet, ça a été un tel rejet qu'il y en a eu beaucoup. Je sais à Oran par exemple que c'est à partir de là, parce que je l'ai su ça par l'archevêque d'Alger par exemple à l'époque, que c'est qu'il y avait beaucoup beaucoup de catéchumènes. Mais qu'ils ne le disaient pas, qu'ils ne le criaient pas, mais je veux dire cette période de djihadisme, ça fait que des Algériens ont dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que notre religion, et se sont tournés vers le christianisme. On va passer une petite musique et puis on va parler de la France un petit peu, essayer de voir ce qui se passe en France aussi dans ce domaine. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue,
leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. C'était une très émouvante chanson d'Enrico Macias, que vous avez bien sûr reconnue, évoquant le pays qu'il a dû quitter en 1962, après 1962, assimilé au pied noir, alors qu'il appartenait à la communauté juive de Constantine, installée en Afrique du Nord de bien avant la conquête arabe. Et ça, on aurait pu parler aussi de la question juive en Algérie, qui a été réglée par le départ massif. Bon, il y a l'histoire d'Israël, donc les choses se compliquent, on ne va pas rentrer dans cette affaire aujourd'hui. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance de Philippe Delorme. Nous parlons aujourd'hui du christianisme en Algérie et éventuellement des Algériens et du christianisme en France. C'est de là de ce dont on va parler peut-être maintenant. Avec Mireille Dutheil, ancienne grand reporter au Point de Vue. C'est moi, j'ai travaillé à Point de Vue, alors du coup, excusez-moi. Au Point, auteur des Martyrs de Tibérine aux éditions Salvatore, et Karim Ouchid, président du Ciel, Patrie Souveraineté, Identité, Liberté, d'origine algérienne et converti au catholicisme. Alors, on a parlé des Martyrs de Tibérine. Peut-être un dernier mot sur eux. Il y a eu une cérémonie de béatification. Le 8 décembre. Je n'étais pas là-bas. Non, parce que j'étais, mais je crois que c'était une assez jolie cérémonie. Je l'ai regardé tout simplement à la télévision. Oui, Oran. Pourquoi Oran? Peut-être parce que c'est là où que c'était la ville de Monseigneur Clavery, l'évêque d'Oran, qui a été le dernier assassiné et le dernier étranger. Religieux et étranger assassiné en Algérie pendant la Parce que lui n'avait pas la nationalité algérienne, à la différence de Monseigneur Duval. Je ne sais pas s'il avait la nationalité algérienne, je pense que si. Parce que parmi les moines, la majorité d'entre eux avait la nationalité algérienne. Deux étaient nés en Algérie, mais les autres l'avaient prise. C'était devenu leur pays, ils étaient là depuis très longtemps. D'autres, c'était pas pour eux ceux qui l'avaient pris. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je vous dis en même temps, parce que c'est difficile d'avoir la nationalité algérienne. Si moi je la demande, je l'aurai jamais. Donc, ça, c'est évident. Mais non, donc, mais il y avait un respect pour le côté religieux, même de la part de l'État, qui donnait leur vie. Oui, il y avait une reconnaissance. Bien sûr, tout à fait. Et aujourd'hui, Tibérine, il n'y a plus de moines. Les moines sont allés au Maroc, je crois. Oui, c'est ça. La communauté de l'Atlas, qu'on appelle Notre-Dame de l'Atlas, a été transférée à Midelt, au Maroc, c'est-à-dire à côté de Fès. C'est là où a été tourné précisément le film avec Michel Landam sur les moines de Tibérine. Il y a le dernier survivant, le père Jean-Pierre. Qui était là. Et
mais il reste à Tibérine, en fait, maintenant, là, depuis ces dernières années, il y a toujours eu une petite présence, mais c'était, il n'y a plus de cisterciens. Une communauté, justement, eucharistique, qu'on appelle la communauté du Chemin Vert. Hein, c'est une communauté de Lyonnaise. Des charismatiques, alors. C'est des charismatiques. Oui. Et il y a un prêtre, quand même, avec eux, qui permet d'avoir une messe toutes les semaines, etc. Et oui, ça, ce que je ne vous ai pas dit, parce que pour montrer combien l'assassinat des moines a été quelque chose de terrible, c'est que Tibérine est devenu un endroit où les gens vont, depuis l'assassinat déjà, où les gens vont en promenade le vendredi, parce que vendredi c'est le jour de jour férié. Oui, oui. Hein. Donc et finalement, plein d'Algériens, mais quand je vous dis, c'est pas quelques-uns, c'est plein d'Algériens qui vont, il y a plusieurs milliers qui vont, dans l'année bien sûr, hein, oui. Qui vont se promener à Tibérine, parce que ça a été quelque chose, je vous ai... Ici en France, évidemment, ça a été terrible, Tibérine, on ne comprenait pas pourquoi, bref, on tue ses moines. Mais du côté algérien, ça a été vraiment quelque chose, non seulement une gêne, mais quelque part une honte. Comment est-ce qu'on peut tuer des religieux? Ce qu'on disait tout à l'heure, le respect qu'il y a de musulmans, disons que normal, ordinaire, oui. Hein, par rapport à la religion. Et tué, et pendant cette guerre. Qui se donne à Dieu, quoi. En oui, fait. Et puis pendant cette guerre qui a été terrible, il les tué, alors qu'on savait qu'il restait là pour rester à côté du village, que le frère Luc soignait les gens. Même s'il soignait tout le monde, n'est-ce pas, ce qui plaisait pas à tout le monde, enfin, avec du courage. Ça a été terrible. Et plein de... Beaucoup d'Algériens, ils vont faire, vont voir ce que c'était, vont se recueillir, etc. Le père Christian de Chergé, oui, donc lui a même... Enfin, il y a eu un... Un ribat, le ribat, c'est-à-dire les communautés... Oui, il a fait un message, enfin, il y a un message vraiment de paix, enfin dans son testament, absolument. Voilà, et puis il organisait, mais c'était déjà fait avant lui, et puis dans d'autres, ça se fait aussi à Alger, et ça continue à se faire, à ma connaissance. Vous savez, des sortes de séminaires plusieurs fois dans l'année, de réflexion spirituelle entre catholiques et musulmans. Hein, d'ailleurs, alors, beaucoup des soufis, d'ailleurs, mais pas que des soufis. Et pas forcément que des... Pas que non plus, enfin, l'équivalent de religieux musulmans. Il y a aussi des gens qui sont intéressés par la spiritualité et qui... Là, on revient au personnage de Abdelkader dont on parlait tout à l'heure, qui était quand même un grand... quelqu'un d'une grande spiritualité, un islam qui pourrait être un islam qui pourrait nous donner une piste pour un islam qui accepte les autres religions, disons. Voilà. Alors, Karim Ouchik, venons en France. Est-ce que ce dialogue interreligieux, vous êtes catholique, est-ce que vous parvenez à avoir un dialogue avec les musulmans de cet ordre en France, ou est-ce que ça ne se fait pas? Non, parce que je ne cherche pas à avoir, vous êtes moi pas personnellement, dans mes engagements publics, vous êtes pas soit à la recherche d'un dialogue avec nos compatriotes de confession musulmane, soit parce que je serais animé par une volonté d'un point de vue institutionnel de faire avancer le problème spécifiquement, mais il est évident que c'est un problème qui domine les consciences dans notre pays, et j'en suis préoccupé au point d'avoir aussi une prise de position et quelques propositions à faire en ce domaine-là. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, voilà, parce d'abord, que ces musulmans qui sont là, est-ce qu'il faut les faire qu'ils deviennent catholiques? Est-ce qu'il faut qu'ils repartent chez eux? Est-ce qu'il faut qu'ils restent musulmans mais d'un islam modéré? Enfin, quelles sont les pistes pragmatiques et réalistes pour je pense qu'il faut partir, Jean-Philippe, du constat suivant, c'est que aujourd'hui, l'islam n'est pas une religion bienvenue en France. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas simplement une religion, c'est-à-dire un rapport à Dieu, un rapport personnel à une transcendance comme n'importe quelle religion, c'est aussi une société, un modèle de société, une civilisation avec des coutumes, des mœurs, des modes de vie vestimentaires, alimentaires, un rapport au monde. Et cet univers de pensée est radicalement différent, radicalement étranger, me semble-t-il en tous les cas, des modes de vie, des traditions qui ont fondé la France et l'Europe, qui, pour beaucoup, ont pour très dominant ce que j'appellerais une anthropologie chrétienne. Bon. Donc à partir du moment où on sait, où on sent, même si il est politiquement incorrect de le dire
publiquement, comme je le fais à votre micro, que l'islam, je sais qu'ici je suis tout à fait à l'aise et je peux m'exprimer, mais je le dis ici, et je le dis avec la même franchise ailleurs lorsqu'on me tend le micro ou une caméra. Il faut témoigner. Il faut pas avoir peur de dire les choses et d'essayer de les résoudre. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc à partir du moment où on pose ce diagnostic, quelle est la thérapie à apporter à ce diagnostic? Moi, je pense que cette religion n'a pas trouvé ses marques en France, comme la religion catholique a trouvé, elle, ses marques depuis la loi de 1905 ou avec le concordat napoléonien pour la religion juive. Et donc, il faut que la puissance publique s'empare de cette question. Et s'empare de quelle manière? Je crois, d'abord, en essayant de forger un interlocuteur qui n'existe pas actuellement, où le CFCM, qui aujourd'hui fait office d'interlocuteur à la puissance publique, ne joue pas son office. Donc il faut redéfinir... Le Centre national du culte musulman. Donc il faut que l'État puisse, de manière assez jacobine, assez centralisatrice, décider de se créer un interlocuteur en décidant, par exemple, dans chaque département, d'avoir un représentant officiel des musulmans qui pourraient être, après d'un point de vue national, amenés à avoir une unité d'expression des musulmans en France et, au fond, se doter d'un interlocuteur fiable et durable. Mmh. Je crois que la deuxième étape, c'est de fonder dans une charte qui serait, bien sûr, travaillée, négociée à l'échelle du pays, ce que sont les principes essentiels de notre pays, de notre civilisation en France, une charte qui aurait à être acceptée par la communauté musulmane au travers de cette institution représentative que j'appelle de mes voeux. Ce qui suppose d'abord qu'on puisse nous-mêmes, en France, procéder à un travail d'introspection collective pour savoir ce qu'est la France, parce que il est prétentieux de vouloir demander à nos compatriotes d'origine musulmane de s'assimiler à une terre, la France, en leur demandant de faire des concessions sur leur propre mode de vie, sur leurs coutumes, sur leur mode alimentaire et vestimentaire, si nous-mêmes, nous ne sommes pas au clair. Or, je crois que depuis bien des années, la France n'est pas au clair avec elle-même. Est-ce que c'est pas finalement un défi des traditions? C'est-à-dire qu'on a très largement en France perdu les traditions, nos traditions. On est, comme je disais tout à l'heure, dans une sorte d'américanisation, de village Coca-Cola sans référence spirituelle. Et donc là, on a le défi d'une civilisation finalement et d'une religion assez forte qui ramène, qui donne des repères religieux et des repères existentiels assez forts. Alors donc, est-ce qu'il y a quelque chose en face? Sinon, c'est justement au supermarché le samedi après-midi. L'islam prospère sur le vide moral, spirituel. C'est un défi finalement de la France. Et donc, il nous faut réenchanter, si j'ose dire, le modèle de civilisation français. Je crois que nous avons perdu ce que moi j'appelle l'éthos chrétien, c'est-à-dire au fond ce fond de sauce qui a été pendant des siècles notre modèle de société, le fait que, sans vouloir un État confessionnel ou théocratique, il faut quand même reconnaître que nous sommes dans un univers où les esprits sont façonnés par le christianisme, nous avons perdu cet éthos chrétien. Et puis on confond bien souvent, culturellement, et je ne parle moi que d'un point de vue culturel. Quand je parle d'un retour d'un modèle dominant chrétien, je ne parle pas d'une volonté d'entrouvrir les portes à un État confessionnel, je parle d'un retour, d'une vision culturelle de ce qu'est la société française, la culture française, notre civilisation, donc le retour à un éthos chrétien. Deuxièmement, je refuse de considérer que la France, c'est la République. On dit souvent que la France, que la République, c'est la France, et on associe au fond à cette France le cortège des valeurs de la République. Je crois que la France, c'est autre chose que la République. La République, c'est un modèle institutionnel. Je dis souvent, je l'ai répété bien des fois ici à ce micro, que la République, c'est le vêtement institutionnel qui est jeté sur le corps sacré de la France. Il nous faut donc renouer avec cet éthos chrétien, avec notre héritage. Ce qui suppose donc que collectivement, les Français est un rendez-vous avec eux-mêmes. Il doit y avoir ce que moi j'appelle une anamnèse. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'être français en 2018-2019? Je pense que nous devons nous livrer à ce travail d'introspection collectif, à l'échelle du pays, ce qui nous ferait du bien d'ailleurs tous collectivement de savoir qui nous sommes. Et c'est à partir du moment où nous aurons réussi à définir les contours de l'être français, qui n'est plus cet être français que moi j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire un être français qui accepterait de considérer que son éthos chrétien est au cœur de tout, c'est à partir du moment où nous réussirons à réaliser ce travail-là que nous pourrons après offrir
et je réponds à votre question, cher Philippe, à nos compatriotes de confession musulmane, le modèle de société qui doit être... Parce que, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que finalement, je dirais... On aurait dû le faire, ce travail, en 2017, le grand rendez-vous des... Est-ce que, quand même, est-ce que vous... Moi, je me sens pas du tout dans la France que vous êtes en train de dessiner. Vous ne pensez pas que l'éthos français, c'est fait de... La France est faite de gens qui viennent de partout. Qui viennent de partout et qui culturellement. Et donc, est-ce que pour moi, la façon de faire vivre tout ça, c'est bien entendu qu'il y ait des chrétiens, mais qu'il y ait aussi des protestants, enfin des chrétiens catholiques, j'entends, bref, des musulmans, mais basé sur la laïcité et la séparation stricte de ce qui est la religion et de ce qui est l'État. Soyons réalistes aujourd'hui. Laissons la... Oui. Soyons réalistes, aujourd'hui, la majorité des Français n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni protestante, ni juive, agnostique. Mais culturellement, culturellement chrétienne, effectivement, avec une espèce de teinte, effectivement, les fêtes principales, les coutumes, etc., sont chrétiennes, le décor est chrétien. Est-ce que les gens sont chrétiens? Je pense qu'à 95%, ils le sont très peu, enfin, ou ils le sont anecdotiquement. Comme l'était. Donc effectivement, c'est là-dessus qu'il faut essayer de construire quelque chose. Je pense qu'il faut pas mélanger ce qui est la vie, la culture, etc. Comme beaucoup de musulmans en Algérie avant, c'était, comme vous le disiez vous-même dans votre famille, on était culturellement musulmans. Je crois que Karim Ouchik dit ça. Je ne suis pas d'accord. Je prends l'exemple des États-Unis, pardon de vous couper. Oui. Les États-Unis sont un peuple qui reconnaît comme principe de fonctionnement institutionnel ce qu'on appelle la laïcité. Ils sont confessionnels, les États-Unis. Mais les États-Unis considèrent que le christianisme, en tout cas la foi chrétienne, voyons à chaque fois qu'il y a un président qui est élu, il jure sur la Bible quand il rentre en fonction. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire que les États-Unis ne protègent pas les minorités et qu'il y a un désordre confessionnel aux États-Unis. Moi, je pense que si nous pouvions en France considérer que la laïcité est un principe absolument à respecter, en ce sens qu'il faut ce que moi j'appelle instaurer un principe d'égalité des cultes devant la loi. En revanche, je ne peux pas accepter qu'il puisse y avoir d'égalité des religions devant la mémoire. Et c'est tout le problème. Aujourd'hui, on utilise la laïcité à la française comme l'instrument de refoulement, de relégation de ce qu'a toujours été l'identité de la France, une identité reposant pour l'essentiel, je n'ai pas dit de manière exclusive, sur une identité chrétienne. Et cette laïcité-là est un instrument de combat, depuis près d'un siècle, qui, au fond, nous dit, vous devez nier l'identité chrétienne de la France, et pour ceux qui sont chrétiens ou qui souhaitent exprimer cela, vous devez... C'est un peu plus compliqué que ça. Je pense qu'au début... La loi ne dit pas ça, mais c'est la manière dont on l'a exercée et appliquée depuis 100 ans. La laïcité, au début, je pense, c'était une manière de laïciser les valeurs chrétiennes. En fait, c'est-à-dire, quand on regarde l'école de la Troisième République, grosso modo, ce qu'on enseignait, c'était les valeurs chrétiennes et traditionnelles, mais sous une forme à religieuse en quelque sorte, et c'est ça qui c'est avec ça je pense qu'il faudrait arriver à renouer, c'est-à-dire c'est aussi les droits de l'homme, c'est aussi le respect de l'identité des gens, etc. Enfin, tout ça sont des valeurs chrétiennes finalement qui étaient passées dans la République et avec laquelle la République devrait renouer aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est assez compliqué, c'est sûr. C'est assez compliqué parce que je pense qu'il y a aussi deux perceptions de la laïcité. Il y a une laïcité militante que je rejette, moi aussi. Réprouve aussi. Parce que pour moi, la laïcité, c'est la possibilité pour chacun de vivre sa religion comme il l'entend. Vous voyez? Et non pas de rejeter les religions, de ne pas dire on n'en veut pas du tout. Mais alors on revient à la question, on n'a plus que 3 minutes, mais on revient là. Et quant à l'islam, je ne suis pas tout à fait... Vous avez raison que l'islam c'est global, que c'est global, c'est un... Mais en même temps,
on n'est plus non plus, on n'est plus au 8e siècle. Et vous croyez pas que beaucoup de musulmans, que fait un Khaled Belmcher là qui vient d'être choisi pour avoir la tête de la fondation, cet intellectuel français d'origine algérienne, et je pense qu'il a une vision très 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 saine de ce que pourrait être l'islam pour les musulmans de France, comment ils pouvaient l'appliquer. Mais c'est pas la réalité. C'est pas moi, je suis élu de banlieue. Je peux vous dire que lorsque vous allez en banlieue, vous avez un retour à des, un retour non, à une apparition de pratiques régressives que jamais notre pays a connues. Quand vous voyez des hommes porter la djellaba avec une barbe et au fond épouser le modèle du prophète, que des femmes sortent voilées et que vous avez une forme de banalisation d'un exercice wahhabiste de l'islam que jamais la France n'a connu et que les fidèles musulmans dans les années 60, 70, 80 réprouvaient, rejetaient, vous vous posez des questions. Mais peut-être que des grands intellectuels peuvent penser cela, mais ce qui se pratique actuellement, ce qui est à l'œuvre, c'est plutôt une régression. Non, mais vous avez raison, mais ça c'est quel pourcentage des musulmans, comme vous le dites bien vous-même, vous avez connu autre chose. C'est un pourcentage non, de plus en plus important. Prendre, en tout cas, vous pouvez pas prendre, on a plus qu'une minute, vous pouvez pas prendre pour islam en France ou de France ou comme vous voulez, vous pouvez pas prendre ça ceux qui appliquent le wahhabisme en banlieue. Bon, donc, ça je réfute complètement. Et la nécessité de reprendre en main je toute cette problématique. Voilà. Donc il nous reste voilà. plus qu'une minute et l'idée c'est donc qu'il faudrait favoriser un islam français, un islam tolérant, un islam des lumières d'une certaine manière. Absolument. Et c'est sur former des gens, on va s'arrêter. On va s'arrêter là-dessus et je pense qu'on est tous d'accord au moins sur ce voilà. Voilà. Merci alors à dans quelques semaines pour une prochaine émission. Au revoir. Merci à mes deux invités. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme, émission préenregistrée le 22 décembre 2018 et diffusée pour la première fois dimanche 6 janvier 2018, de midi à 13h30, et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.